Hey, salut tout le monde, c'est Itachi et nous voici arrivés au début d'une toute nouvelle aventure, celle de Monster Hunter 3 Ultimate. Ça y est, il est sorti le 22 mars 2013 sur Wii U et sur 3DS. Et bah voilà, ça va être l'occasion pour moi de me lancer dans ce jeu que j'attends vraiment depuis très longtemps. Hein. C'est littéralement le jeu qui m'a fait décider, comme ça, sur un coup de tête, d'acheter la Wii U, tellement j'aime bien Monster Hunter. Donc voilà, alors je parlais d'aventure de Monster Hunter 3 parce que, d'une part, il y aura un let's play, donc c'est-à-dire bah, sur l'aventure solo, qui, même si, dans, on va dire, dans le scénario, si je peux dire, elle a pas l'air radicalement différente, néanmoins, il y a des chances qu'on croise tout de même des nouveaux monstres dans cette aventure solo. Mais ce sera également accompagné de plein de quêtes online, voire même offline, mais disons des quêtes de guildes, dans lesquels bah voilà, on pourra justement affronter beaucoup des nouveaux monstres qui sont présents dans ce jeu. Donc je l'ai dit, le jeu est sorti le 22 mars 2013. Il a été donc développé par Capcom et édité par Nintendo, notamment chez nous en Europe et aux États-Unis. Et puis voilà, donc en fait, alors c'est la version G de Monster Hunter 3 qui était donc sorti sur Wii. Alors donc je rappelle au passage comme ça pour ceux qui ne savent pas trop, la version G d'un Monster Hunter, en gros c'est un Monster Hunter plus étoffé avec parfois des nouvelles armes, parfois des nouveaux types d'armes, mais aussi et surtout des nouveaux monstres, des nouveaux types de monstres, etc. etc. Donc en gros là on a vraiment, comme l'indique le titre du jeu, le Monster Hunter Ultime, là vraiment c'est assez énorme. Donc bah moi j'ai déjà le jeu depuis 2-3 jours en fait. Et ces 2-3 derniers jours j'ai joué l'équivalent d'une semaine de jeu. J'ai torché comme un gros cochon. Autre précision, je vais jouer avec le Pro Controller de la Wii U. Hein, donc c'est la nouvelle manette qui ressemble un petit peu à la manette de la Xbox 360. Mais bon, je peux vous dire qu'une fois en main, la comparaison s'arrête là. Elle est vraiment différente. Et puis donc bah c'est parti, je vais prendre mon perso, voilà, il fait 38 heures de jeu ces dernières 24 heures. Non, bien évidemment j'exagère, là ça remettrait en cause toutes les lois de la physique quantique. Mais c'est vrai que j'ai quand même tartiné comme un gros porc. Alors donc j'ai fait déjà quelques petits trucs en solo qui sont vraiment pas intéressants du tout. Hein, c'est du genre, en fait c'est du tuto, voilà. Simplement du tuto, aller dans la forêt Moga. Donc là bah, je parle pour ceux qui connaissent déjà le jeu, hein, ceux qui ont connu Monster Hunter 3. J'étais faire un tour dans la forêt Moga, on m'a expliqué brièvement comment s'occuper de la ferme, etc. Même si j'aurai l'occasion d'en reparler, je vais pas le faire cet épisode, je pense pas. Pour l'instant, je peux pas encore utiliser la poissonnière, l'argosie ou je ne sais plus quoi. Ni Sarkozy, enfin le mec là qui fait les échanges, il est pas encore là, donc on aura l'occasion de le découvrir. Là il y a la femme qui vend des objets, là il y a la beauté de guilde. Et puis donc en fait ouais voilà, j'ai fait un petit peu de solo jusqu'à débloquer notamment bah, la première quête de la beauté de guilde. Donc bah, ça va être l'occasion d'initier directement une petite quête. Alors je vais faire des vidéos sous forme de voilà des fois 30 minutes en fait, à peu près 30 minutes comme on va dire comme à mon habitude, même si certaines quêtes ne dureront pas longtemps, hein, notamment par exemple là il y a une première quête, voilà, c'est Champy Récolte. Bon, c'est un passage obligé malheureusement par tous les Monster Hunter, c'est faire des petites récoltes à la con comme ça, récolter des champis spéciaux. Donc moi ce que je vais faire durant ces quêtes là, bah, c'est simplement essayer de vous expliquer la meilleure manière bah, de trouver les objets, la meilleure manière de tuer les monstres, etc. C'est là-dessus que je vais me baser pour animer ce let's play. Alors, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais dans la forêt Moga, en fait il y avait le campement avait été complètement bousillé. Et en fait, moi, je l'ai réparé. Donc, bah voilà, c'est pour ça qu'on voit une petite scène comme ça. Alors, je vais pas
perdre mon temps à lire tout ce qu'il nous raconte. C'est vraiment du tuto, c'est chiant, c'est inutile en plus la plupart du temps. Par contre, bon, bien évidemment, pour les novices, je vous conseille bien évidemment de lire. Pour ceux qu'on va dire qui ont le temps. Mais là, voilà, je vais pas perdre mon temps, je vais pas perdre plusieurs minutes de vidéo pour lire des conneries. Voilà, là, elle est en train de me dire, bah, c'est la boîte. Donc la boîte bleue, c'est l'endroit dans lequel on va trouver quelques objets de fourniture. Donc notamment des objets qui, une fois la quête terminée, seront renvoyés dans la boîte. Sauf certains objets, comme par exemple là le marqueur, je finirai par le garder. Les munitions, il me semble qu'on les garde aussi. L'enduit empoisonné, etc. Enfin, même si là je peux pas les utiliser, je les récupère tout simplement parce que je suis un gros crevard. Voilà, il n'y a pas d'autre raison. Allez, bon, c'est parti. Là, ça va aller, ça va être expédié à mon avis. Ah, tais-toi, tu m'as saoulé quoi. Alors vraiment, ce que je vous conseille moi sur le début, quand vous débutez, c'est de ramasser partout, 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 partout. Tout simplement. Parce que moi, c'est ce que je fais là, vraiment depuis le début. Je ramasse tout ce que je peux. Bon, je vais pas non plus perdre trop de temps dans le let's play. Hein. Mais quand je fais des quêtes en ligne, etc., je prends vraiment le temps de m'arrêter et de ramasser tout ce que je peux. Alors bon, les champignons spéciaux, c'est pas compliqué. C'est ici, il faut tout simplement chercher l'espèce de bûche avec les gros champignons rouges dessus et ramasser. Alors il y en a ici dans cette première zone, dans la zone 2. On va voir si je récolte mes 3. Voilà, bon, j'ai déjà récupéré mes 3 champignons spéciaux. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est en fait récupérer encore plus de champignons. Ce qui nous permettra ensuite de les convertir en. De les convertir en argent. Alors je sais pas si ça les convertit en ressources. Je sais pas. Ça reste à voir. Alors là, ces petits monstres, je sais plus comment ils s'appellent, des banabras ou je ne sais plus quoi. Ils ont été bouffés du miel apparemment. Et ils ont le ventre rempli. Et on peut les péter et ensuite ça lâche des trucs. Vous avez vu, il y a des petits trucs qui brillent par terre. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, c'est tout simplement du miel. Bon, c'est cool. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois, ça lâche des champis sélection ou je ne sais plus quoi. Alors, ça peut être intéressant de les flinguer une fois qu'ils ont le ventre bien rempli. Voilà, bon, je ramasse ça. Bon, ça reste du miel. Mais le miel, ça reste une ressource très, très importante dans ce jeu. Donc, il faut pas hésiter à le ramasser tant qu'on peut. Bon, là, encore une fois, je vais aller assez vite là-dessus. On va pas perdre 1000 ans. Une fois qu'on a récupéré nos objets, on va les ramener dans la boîte rouge. Voilà. Merci de nous dire ça. Voilà. Alors en plus, voilà. En plus des champis sélection que j'ai ramené aussi des champis parfaits. Qui me permettent, comme je vous ai dit, d'avoir de l'argent. Alors apparemment, ça génère pas de ressources. Hein, c'est juste de l'argent. Bon, quand même 1000 zénis. C'est quand même plutôt pas mal. Surtout quand on débute. Bon, moi-même, j'ai un petit pas mal d'argent. Là, j'ai quasiment 30 000. Mais c'est toujours ça de prix, bien évidemment. Alors, pour les quêtes de récolte, il me semble que c'est 20 secondes à attendre une fois que la quête est terminée. Bon, là, malheureusement, il n'y a rien à faire, mais c'est pas grave. Alors, je peux éventuellement parler des armes que j'utiliserai dans ce jeu. Enfin, tout du moins dans ce let's play. Ce sera, alors, les doubles lames, l'arc et le marteau, ce sera les armes que j'utiliserai principalement, c'est les armes que je préfère tout simplement dans Monster Hunter. Donc ben voilà, c'est les armes que j'utiliserai. Alors je vais parler un petit peu des objets. Voilà, alors champi bleu, ça peut être utilisé pour faire des potions ou des antidotes par exemple. Champ paralysie, il me semble qu'on peut les utiliser avec de la viande pour faire de la viande en paralysante, etc. Champi exciteur, je sais plus trop ce que c'est. Bon, après, bien évidemment, j'ai pas non plus tout en tête. Les champis dragons, par contre, je sais que c'est relativement important. Et dès que j'aurai l'occasion, j'essaierai d'en faire, comment dire, d'en faire récolter, ouais, d'en faire pousser dans la ferme. Alors, une nouveauté aussi, là, c'est que en fait, on a la possibilité de faire une sauvegarde une fois qu'on a quitté la... une fois qu'on a terminé la quête. Alors, ça, c'est une des choses qui ont été intégrées notamment dans la version 3DS, hein, puisque sur les consoles portables, mieux vaut multiplier les points de sauvegarde.
Alors, mon petit frère et moi, faisons un concours de pêche. Le premier qui attrape un légendaire poisson d'or gagne. Ok, bon. Il m'a placé une méga mouche, ok, dans ma bourse. Ok. Alors, non, 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 j'ai pas envie de te parler. Alors, méga mouche, ouais, ça va être utilisé justement pour faire une combinaison et faire un appât poisson d'or. Alors, la beauté de guilde. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je sais pas ce qu'elle nous raconte, mais on va voir dans les faits ce qu'elle nous raconte ici. Voilà, tout simplement, elle nous a libéré tout un tas de quêtes. Alors, ici, c'est de tuer 5 jagia, donc c'est les espèces de... C'est les jagis qui sont ni très grands, ni très petits, on va dire. Jagis intermédiaires. Les boyaux de monstres, ça, ce sera sur des épiotes. Voilà, les épiotes, il faudra les tuer et les dépecer. Livrer 2 cornes de kelbi. Bon, ça devrait pas être trop compliqué non plus. Des poissons d'or, ça va être un peu plus chaud. Et des coraux rouges, ça sera pas trop compliqué. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire dans cette vidéo. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, on pourrait très vite passer à quelque chose de plus consistant par la suite. Alors, l'idée, ça va être voilà, de me libérer. Parce que forcément, à chaque fois, à la fin d'une quête, c'est important de libérer son inventaire. Sinon, ça va pas le faire. Alors, je peux éventuellement vous monter un petit peu les armes que j'ai. Why not? Alors, donc là, c'est la double lame de feu qui est faite à partir de lame, enfin, à partir de matos de Rathalos et de Ratian. Celle-là, ça, c'est l'épée de Jean, alors, qui est assez connue des joueurs de Monster Hunter, puisqu'en fait, c'est une... Attendez, je cherche comment... Voilà. C'est une épée, encore une fois, de Rathalos, qui un peu plus tard, lorsqu'on la fera évoluer, demandera du matos de Ratian, cette fois-ci. J'ai réussi à me faire l'épée Lagia, donc qui est l'épée bouclier de Lagia Crus, comme le dit son nom. Alors, personnellement, je dis Lagia Crus, il y a des gens qui disent Lagia Crus. Personnellement, je m'en fous. Moi, je dis Lagia Crus. Après, au niveau des doubles lames, j'ai celle-là aussi, bah, celle que vous avez vue. Bien évidemment. Et ensuite, j'ai des marteaux aussi. Bon, j'ai déjà pas mal d'armes pour un débutant, j'ai envie de dire. Le marteau de la Jacrus. Donc, c'est la première évolution. Hein. Je l'ai fait directement. Et ensuite, le marteau de Rathalos. Donc, marteau de feu, qui est plutôt classe. Et encore une fois, ici, plus tard, on aura l'occasion d'utiliser du matos de Rathalos argenté. Bon, ce sera dans beaucoup plus longtemps. J'ai aussi... Ouais, voilà. J'ai aussi un arc, sauf que j'ai pas encore l'armure qui va avec. Donc, bah voilà, c'est un arc de Ludroth, donc un arc d'eau. Alors, je vais récupérer ma double lame. Voilà. Alors, je peux parler un petit peu de mon armure, justement. Donc, c'est l'armure de Ratian. De Ratian normale, hein, la verte. Et je vais parler de mes talents aussi. Après avoir parlé de mon... De ma décoration. Comment on fait? Ah non, c'est pas ça, c'est le stick. Voilà. Ma décoration à vie plus 7. Alors, c'est très intéressant pour mon armure parce qu'en fait... tout simplement... Voilà, on va aller ici, ce sera mieux. Justement, mon armure donne des bonus en vie. Et en fait, les bonus de vie permettent de débloquer le talent. Ben, le talent vie plus. Donc, vie plus 20 ou vie plus 50. Moi, j'ai vie plus 50. Ça permet tout simplement d'avoir sa jauge de santé augmentée, soit de plus 20, soit de plus 50. Et donc, ben, là, j'ai ma jauge de santé à, plus, à 150, 150 points de vie, qui est le maximum qu'on puisse avoir dans le jeu. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, là, j'ai un bonus d'attaque de feu, qui a normalement à la base est de plus 1. Mais moi j'ai rajouté des décorations sur mon armure. Des décorations qui s'appellent brasier, il me semble. Qui permettent bah, voilà, d'augmenter ce talent jusqu'à plus 15. Et donc bah, voilà, j'ai plus 2 en attaque de feu. Et avoir plus 2 en attaque de feu, ça augmente notre attaque élémentaire de 20 points. Donc voilà, j'ai si par exemple mon arme a 100 points de feu, là elle va avoir 120 points. Tout simplement. Alors, restaurer. Alors ça permet, bah, comme l'indique le petit texte là, augmente l'efficacité des objets de récupération de santé, tout simplement. Donc ça c'est pas mal. Par contre, j'ai un malus que j'ai pas réussi à enlever puisque j'ai plus de décoration, enfin j'ai plus de fente libre pour mettre des décorations.
J'ai récupération moins, donc en fait la vitesse de récupération des dégâts temporaires, donc la jauge rouge, monte moins vite, tout simplement. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu de mon armure, après je peux peut-être montrer sa défense aussi, voilà, je peux montrer mes stats. Donc j'ai 150 en vie, 100 en stamina, attaque 210 avec ses lames, j'ai 140 en feu, et donc bah, comme je l'ai dit, en fait, mon arme normalement elle a 120, vous voyez, en feu, sauf que bah, avec mon talent d'attaque de feu plus 2, elle a 140, et j'ai 190 en défense. Ma plus grosse défense élémentaire aussi, c'est le feu. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu de tout ça. On va pouvoir retourner dans les quêtes. Là, c'est aide à la ferme. Il faut simplement tuer 5 jaguars. Je sais même pas pourquoi. Je sais pas en quoi ça aide à la ferme, mais c'est pas grave. Ça doit être expliqué dans la description, mais bon, on va pas prendre son temps non plus pour lire des conneries. Ce qui compte, c'est jouer. So let's rock. Hop. Bon, à partir de maintenant, à mon avis, ils me saouleront plus avec les... Avec les différentes, les différents tutos, etc., je vais être un peu plus libre. Donc, c'est pas un mal. Alors, les Jagias, je pense qu'ils sont dans la zone. Dans la zone des Jagis, si on peut dire. Ah, bah, par exemple, déjà là, il y en a un. Donc, dans la zone. Ah, j'ai même pas pris la carte. J'ai même plus l'habitude de prendre la carte. Voilà, bon, bah, c'est bien. Je l'ai tué en un coup. Ah non! Laissez-moi tranquille. Alors, il faut savoir aussi, c'est que... j'étais en train de penser au grand Jagi, en fait. Le délire, c'est qu'en fait, en quête multijoueur, notamment lors du premier et du deuxième rang de guild, on peut pas... on peut pas affronter de Jagi. De grand Jagi, pardon. Donc c'est assez incroyable, puisque quand même, le grand Jagi, c'est un des monstres les plus pourris du jeu, quoi. Enfin... Et pourtant, bah, dès le début, on peut affronter des Ratian, etc. Enfin bref, on peut affronter des trucs de fou. Hop, je vais ramasser un petit peu. Bon, même si tout ça, j'en ai déjà un bon paquet dans mon coffre. Et c'est juste pour ramasser. Alors donc, ils peuvent être également en zone 6. Donc vous voyez, là, il y en avait beaucoup. Derrière, ils peuvent même réapparaître du trou qu'il y a juste au-dessus de ma tête, là. Mais bon, il faut attendre un petit peu. À la limite, là, on va pas se faire chier à attendre. On va changer de zone, aller voir s'il y en a là-bas. Voilà, bah, y en a un ici qui était sur le point de pioncer. Et voilà. En simplement deux coups, c'est fini. Donc vous voyez, les quêtes du début vont vraiment passer très très vite. J'avoue que j'ai même peur pour les grands monstres que j'affronterai. Parce que à mon avis, ils vont vraiment être expédiés. Mais bon, ce qui compte, c'est que je donne un peu quelques explications sur leur comportement, etc. On aura l'occasion de parler de tout ça donc quand on fera les grands monstres. Là pour l'instant c'est vrai que c'est que des quêtes de récolte, c'est un peu chiant. Y a pas le choix. J'hésitais même à les faire hors enregistrement, mais bon, je me suis dit que ça pouvait aussi aider peut-être des gens qui débutent sur le jeu. À savoir un peu où ça se trouve. C'est vrai que tout le monde n'est pas expert en Monster Hunter. D'ailleurs, moi-même, je ne me situe pas non plus en expert, mais en tout cas, j'aime beaucoup la série. J'ai encore des choses à apprendre, parce que c'est vrai que le jeu est tellement riche, il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de choses à faire, que c'est difficile de tout savoir. Alors, du cuir, des crocs d'hiverne aviaire, qu'on récupère ici. Et également des écailles, bon là j'en ai pas eu dans la boîte, mais c'est pas grave. Aussi des monstres, des os monstres petits. Alors joyeux reflet à quoi ça? Il me semble que c'est pour faire des décorations, voilà, c'est ce qui est dit dans la description. Hop. Ensuite du miel. Du miel on en récupère partout, vous avez vu, j'en ai 122. C'est vraiment un truc de fou. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils seront utilisés plus tard. Parce que là déjà, alors sur le multi, je suis déjà arrivé au rang 3. Et je commence vraiment à tomber sur des quêtes qui sont difficiles. Notamment, je suis tombé sur la Ratian. Un truc de fou. Elle était vraiment sacrément badass. Alors, je regarde s'il y a des gens qui ont des choses à me raconter. Apparemment, non. Par contre, apparemment,
à la ferme, il y a des gens qui me parlent. Alors en fait, moi sur mon gamepad, alors donc le gamepad c'est la manette avec l'écran de la Wii U, je le précise, il y a la carte en fait du village et j'ai des petites informations si jamais par exemple il y a des gens qui ont des choses à me dire. Voilà, donc ça c'est l'espèce de petit cochon qui s'occupe de la ferme. Ouais, il m'a donné des gain bombes. Hop, j'ai ramassé ce que j'ai mis ici. J'avais mis un peu de lierre par contre. Ah bah voilà, c'est prêt. Alors, bon, tout simplement, dans la ferme, voilà, on peut donner du travail au chat. Alors, pour l'instant, j'en ai qu'un seul, je l'ai appelé Paprika. Voilà, il y a tout ça qu'on peut farmer. Alors, il y a les herbes, donc il y a tout ça. Toutes ces herbes-là jusqu'aux graines. Et ensuite, il y a les champignons. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre, je pense, parce que ma ferme n'est pas encore améliorée. Donc, bah, je me contente de ces trucs-là. Je vais mettre une baie dragon, tiens. Et ensuite, on peut mettre, on peut les enrichir avec de l'engrais. Alors la boue fertile, je suppose que ça envoie vraiment du lourd et ça permet d'avoir beaucoup d'objets. Mais bon, moi, comme j'ai beaucoup de bouse, je vais la mettre. Par contre, oh bordel, pour les baies dragons, ça demande beaucoup de ressources. Alors peut-être vous posez la question. Bordel, t'as 4000 points de ressources. Comment est-ce que t'as fait? Alors en fait, vous avez peut-être pu voir au tout début de la vidéo, quand j'étais dans les menus. Avant de charger ma partie, tout en bas de la liste, il y a DLC. Alors DLC, c'est ici qu'on va pouvoir télécharger des quêtes, télécharger des bonus, etc. etc. Et en fait, un des bonus qui nous est proposé dès le début, en fait, c'est d'avoir des décorations de cartes de guilde et également 5000 points de ressources, donc ce qui nous permet vraiment de pouvoir partir tranquillement et de pouvoir enchaîner les quêtes du village tranquillement. Donc voilà, vous avez 5000 points qui vous attendent en DLC, donc n'hésitez pas à les télécharger, c'est quand même super utile, surtout pour faire des récoltes dans la ferme, etc. Ce sera vraiment pas mal. Hi ! Ok, t'inquiète pas poulette. Je sais ce qu'il faut faire, enfin je crois. Alors tiens, je vais prendre un harpon. Ça c'est les bombes oxygène. Alors, bon, c'est si jamais il manque de l'oxygène, mais bon franchement là pour faire ce qu'on va faire, ça va pas être la mort non plus. Tiens, je vais prendre ça. Et c'est parti. Alors, pour ceux qui savent pas, il y a un passage secret de ce côté. Voilà. Donc on va aller tout au fond là-bas. Qui va nous permettre d'atterrir directement en zone 9. Puisque là, en fait, les monstres sur lesquels on va récupérer les boyaux sont en fait des monstres aquatiques, les épiotes. Alors, on va consommer ça comme ça, j'aurai un peu plus de stamina. Ah non! Cassez-vous les mélinx là! Alors, est-ce qu'il y en a un qui montre sa tête? Bon, pour l'instant, ils ne montrent pas leur tête, ils sont peut-être dans la zone 11. Alors, je sais plus si c'est dans cette quête. Qu'il va y avoir le Lagiacrus. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas peur de lui. Et viens là, mon cochon. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut les tuer avec un harpon. Voilà, on appuie sur le Y, tout simplement. Bon, sauf que ça met du temps pour les tuer. Allez, mais je préfère abréger ses souffrances, voilà. Vous avez vu, un seul petit coup de double lame et c'est fini. Hop. Boyau de monstre, voilà, j'en ai déjà récupéré un et il m'en faut 3 au total. Bien évidemment. J'en ai pas eu. Alors, où est-ce qu'il y en a? Bon, justement, de toute façon, je vais être obligé, quoi qu'il arrive, d'aller dans la zone 11. Et comme je vous ai dit, je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il va y avoir un Lagiacrus. On verra ça. À moins que ce soit dans la quête où il faut récupérer des trucs rouges, là, je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Des ossements rouges, ou je ne sais plus quoi, des os... Je sais plus. Ouais, voilà. Bon, vous voyez, il y a une petite scène. Donc, je disais pas de conneries.
C'est donc bien le Lajacrus qui nous attend ici. Oh non! Oui, c'est terrible, blablabla, t'inquiète pas. Hey! Oh, comment il m'a ignoré? Hop, voilà, boyau de monstre. La cure aquatique. Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il m'a fait mal, le Lajacrus! Bon, c'est vrai que je suis un peu en train de le troller. Faut dire, là, je suis quand même... je suis vraiment OP par rapport au niveau qu'on est censé avoir ici. Hop. Je pourrais même limite le tuer, mais bon, à la limite, je vais pas... J'ai pas envie de perdre mon temps. Bon, surtout que j'ai jamais fait de la Lajacrus seul non plus, enfin... Enfin, du moins dans... Dans le Ultimate. Regardez! Il m'ignore complètement. On s'ignore mutuellement. C'est-il pas beau. J'ai essayé d'aller me faire l'épiote qui est là. Hop. Et voilà. Ah mais c'est carrément ça quoi. Il est vraiment parti se pioter quoi. Je sais pas si c'est un bug ou quoi mais il est bien. Alors, ah bordel, j'ai pas récupéré de boyaux de monstre. Alors je sais pas si on a plus de facilité à récupérer des boyaux en utilisant le harpon. J'ai jamais vu un Lajacrus aussi aussi inoffensif. Ah tiens, par contre, il est pas content. Donc apparemment, si on se fait pas chier à le taper, bah, il va se coucher là-bas. Je vais essayer de changer de zone et essayer de voir s'il y a des épiotes de l'autre côté. Voilà, il y en a ici. Par contre, le Lajacrus risque de me suivre. Bon, à la limite, c'est pas grave, hein, vous avez vu. Il m'a donné un coup et franchement, ça m'a limite fait rigoler. Oh, d'accord, il y a du monde, là. Oh là là. Il y en a 5. Tiens, tu seras ma première victime, toi. Hop. Il me semble qu'en fait les épiotes changent de zone à chaque fois quand j'en tue un. Enfin non, du moins ils se regroupent un peu plus loin là-bas. Ils se sentent plus forts là, hein, en bande. Bande de lâches. Bon, j'ai toujours pas eu mon troisième boyau de monstre. Hop. Ça c'est fait. Bon, j'espère que je l'aurai ici quand même. Là j'ai 4 dépeçages à faire. Ce serait quand même ballot. Voilà, boyau de monstre. Bon. Alors je revérifie si je les ai bien. Hop. Boyau de monstre, j'en ai 3. Et c'est bien 3 qui me demandent. Je revérifie aussi, on sait jamais. Voilà. Allez, c'est bon. Je vais pouvoir repartir là-bas. Alors c'est vrai qu'un truc que je pourrais faire aussi, bon ce sera peut-être dans les vidéos, dans les prochaines vidéos forcément, ce sera de récupérer des, vous savez, des transporteurs pour pouvoir retourner directement au campement. Ce sera plutôt pas mal parce que bon là c'est vrai que je vais devoir me taper tout le chemin. Et c'est un peu inutile. Mais bon, it's like that. Alors, il me semble que la prochaine quête, c'est... C'est quoi? Je sais même pas. Je sais même pas pourquoi. Ah, c'est les kelbis, je crois. Ouais. Il me semble que c'est les récupérer des cornes de kelbis. Mais en faut 2. Alors, ouais, justement, j'avais quelque chose à dire par rapport à ces kelbis, là. C'est qu'en fait... à l'époque, il me semble que pour les assommer, il fallait absolument avoir une arme, bah justement une arme contendante, c'est-à-dire un marteau ou le bouclier d'une épée bouclier ou quelque chose comme ça. Et maintenant, bah, c'est plus le cas, on peut les trancher avec notre arme et ça va les sonner en fait. Donc on va pouvoir récupérer directement les cornes comme ça. Donc c'est plutôt pas mal qu'ils aient pensé
qu'ils aient pensé à changer ce petit truc là, parce que bon, c'est vrai que tout le monde ne joue pas forcément avec une arme contendante. Il faut pas non plus obliger les gens à jouer avec des armes qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ne maîtrisent pas, etc. Enfin bref. Donc là on va pouvoir directement les cuter, ça va les sonner et on va récupérer les cornes directement sur eux. Ta 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 ta. Alors qu'est-ce qu'on récupère comme objet ici, je sais même pas. Ça doit être des viandes déjà, principalement. Même pas. Ok. Cure aquatique. Bon voilà, cure aquatique. On peut récupérer des cures aquatiques aussi sur les ludrottes. Donc petite astuce, j'ai envie de dire. Bon sinon après ouais c'est des herbes, etc. Et puis surtout beaucoup de miel. On récupère énormément de miel, c'est un truc de fou, je me répète, mais bon. C'est un peu exagéré. Alors je vais rapidement... Ah bah non. Je voulais dire, je vais rapidement vider mon coffre et ensuite faire la quête suivante. Alors donc là, c'est les pêcheurs qui vont être disponibles maintenant. On va parler au chef. On va parler à celui-là. Ah, c'est le chef. C'est celui qui a la crête. Voilà. Alors en fait, on va pouvoir parler à cette femme-là, la poissonnière. Une fois qu'elle aura fini son blabla, il y a vraiment beaucoup trop de texte, c'est chiant. Donc en fait, on va pouvoir envoyer des bateaux, tout simplement. Alors là, le niveau de mon navire est vraiment merdique, je sais même plus comment on fait pour l'augmenter. Je sais pas si c'est uniquement en donnant du matériel ou je ne sais plus quoi. Ou tout simplement à force de les envoyer. Alors donc on a deux destinations auxquelles les envoyer, sur la côte Moga. Pour amener des étoiles brillantes, je sais pas ce que c'est. C'est des choses à échanger, il me semble, hein, tout simplement. Et là, des œufs d'acier. Alors, les œufs d'acier, c'est plutôt pas mal. Il me semble qu'on peut faire certaines décorations avec. Donc moi, je vais envoyer aux eaux sombres. Et on peut utiliser quelque chose du matériel pour augmenter le rendement, en fait, de ce qu'ils font. Enfin, pas le rendement, mais plutôt pour réduire la durée... La durée du voyage, voilà. Donc si par exemple j'enlève, vous voyez, jour restant, c'est écrit 2 jours, et si je mets rame puissante, c'est 1 jour. Donc voilà, comme ça ils arriveront un peu plus vite, et pourront me ramener mon matos. Mais dans les faits, bon, c'est pas particulièrement utile. Enfin moi personnellement, je m'en fous. Hop, voilà. Maintenant ils partiront. Ouais, il est content là, il est chaud. Pff, le fou. Alors, il va peut-être nous donner des trucs à faire, là. Voilà, demande des villageois, voilà, apparemment, il y a des demandes. Ressources 80. Alors, on veut faire une nouvelle boîte à champi à la ferme. Vous pouvez trouver des ressources nécessaires. Ok, bah, vous voyez, avec, comme je vous ai dit, avec 5000 points que j'avais au début, là, on peut faire toutes les quêtes du début, là, et on est vraiment tranquille. Hop, info ressources, générer des ressources. Hop, pardon. Rapport de chasse, voilà, j'ai rien à faire. Après, on peut aussi générer des ressources, ouais, avec certains matos qu'on a dans notre boîte. Alors, vous voyez déjà les pierres feu 50, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, ça, si vraiment on est en galère, hein, mais bon, normalement, avec les 5000 points, on est vraiment tranquille. Je vais aller là-bas parce que je pense qu'il va y avoir une petite scène pour nous montrer la nouvelle boîte. Voilà. Donc, maintenant, en fait, on va pouvoir faire, il me semble, plus de champi. Ce qu'on pouvait déjà en faire. Ou tout simplement, on va avoir un nouveau chat, non? Je sais plus. Non, on n'a pas de nouveau chat. Bon, je sais plus trop comment ça se passe, on va voir. Bon, là, de toute façon, c'est en train de cultiver. Je peux même récupérer mes trucs au passage. Ouais. Voilà, en fait, champi niveau 2, il me semble que simplement, ça donne plus de... Ah non, c'est ça, en fait, on peut mettre plus de cycles. Il me semble que c'est ça. On peut mettre des cycles plus longs, en fait. Parce qu'au début, on peut mettre 3 cycles, et après, au bout d'un moment, il me semble qu'on pourra mettre jusqu'à... je sais pas si c'est pas 9 cycles, le maximum. Peut-être vous pourrez me confirmer. Alors, je vais aller ranger mes objets. Rapidos. Et ensuite, on va se faire rapidement la quête des Kelby, et il me semble que bah, on arrêtera ici. Hop. Voilà. Allez, go.
Tiens, beauté de guilde a encore des choses à me raconter, elle parle vraiment beaucoup, elle aussi. Blablabla. Peut-être qu'il y a des quêtes débloquées. Ah d'accord, quête urgente. Pas d'amour pour l'élu droite. C'est déjà la quête urgente de... pour passer aux deux étoiles. Sérieux. Bon, je vais pas la faire maintenant, hein. De toute façon, je vais faire d'abord ça. Hop, voilà. Livrer les cornes, il en faut seulement deux, espérons que j'ai de la chance. C'est vrai que dans les Kelby, on peut piocher qu'une seule fois, donc... ça va pas être comme les épiotes. Hop. Alors, les Kelby, ils sont en zone 1. Ils peuvent être aussi en zone 7. Bon, après, bien évidemment, ce qu'il y a, c'est que sur, dans des quêtes comme ça... D'accord, je me suis gouré. Dans des quêtes comme ça, le délire aussi, c'est que les zones peuvent varier aussi. Hein, voilà, bah, par exemple, en gros, je me suis fail. Ils sont pas dans cette zone. C'est pour ça que j'ai précisé que ça pouvait changer. Donc, en gros, ils sont dans une zone bien particulière, si on peut dire. Voilà, bah, par exemple, il y en a ici. Voilà. Vous avez vu, je l'ai sonné, en fait. Je l'ai pas tué. Peau chaude. Allez, il va se relever. Et il va disparaître comme un fantôme. Narmol. Alors, pour l'instant, j'ai pas de chance. Peut-être qu'ils ont trouvé que c'était un peu trop violent de tuer des pauvres petites bichettes qui nous avaient rien fait. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait en sorte que maintenant on les assomme seulement et qu'ils repartent. Alors normalement il est en zone 7. Voilà, vous voyez il y en a même beaucoup. Donc c'est même, j'ai envie de dire, the place to be quand on veut du Kelby. Hop, voilà, j'en ai flingué 3. Foie blanc. Donc foie blanc, peau chaude et corne de Kelby, c'est bah voilà, c'est les trois objets qu'on peut ramasser sur eux. D'accord. Ah non ! Ah bah d'accord. Bon, vous voyez, ça, il faut pas faire l'erreur. Il faut pas en tuer plusieurs. Il faut les tuer un par un. Parce que si on les tue, si on en tue plusieurs, on n'a pas le temps ensuite de les dépecer. Et une fois qu'ils se relèvent, bah, ils partent dans une autre dimension, apparemment. Ils partent dans un monde de Kelby. Foie blanc, bon bah voilà, j'ai pas de chance pour l'instant. J'ai eu qu'une seule corne. Alors ici, ça m'étonnerait, voilà, il n'y en a pas. Par contre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est simplement revenir en arrière. Ah non, ça marche pas. D'accord. Ok. Bah du coup, où est-ce qu'il peut y en avoir maintenant? Bah voilà, bah par exemple, ici, ils sont déjà revenus. Faut peut-être attendre un petit peu, tout simplement, que les Kelby reviennent en zone 7. Mais bon, avec un peu de chance, j'aurais même pas besoin d'attendre. Si j'ai une corne sur celui-là, ça pourrait être bien. Voilà, bah j'ai eu ma corne de Kelby, il m'en fallait simplement deux. Et on va pouvoir mettre fin à cette quête. Bon, vous voyez, c'est pas trop compliqué. Enfin, encore une fois, c'est les quêtes du début. Hein. Ce sera un peu plus intéressant par la suite, quand on commencera à affronter les grands monstres, mais ce sera pas avant les quêtes 2 étoiles minimum. Mais bon, là, je compte vraiment faire l'intégralité des quêtes, hein, pour pouvoir montrer quoi faire, comment faire, où récolter telle ou telle chose. C'est pareil pour les... Enfin, par exemple, la quête des poissons d'or, hein, ça va être celle... ce sera peut-être pas la suivante, mais ce sera une des suivantes, et ça me donnera l'occasion de vous dire un petit peu comment, comment réussir cette quête au mieux. Et puis donc là vous avez vu aussi le foie blanc, c'est un objet de ressources en quelque sorte, donc qui génère de l'argent. C'est pas un objet qu'on peut utiliser dans les crafts, etc. Alors, qu'est-ce qu'on aura à récupérer ici? On va récupérer certainement des peaux chaudes, non même pas. Alors cornes de Kelby, alors il y a deux types de cornes, il y a les cornes de Kelby normales, et les cornes de Kelby bleues. Alors je sais pas trop à quoi ça peut servir. Prisé chez les marchands, c'est dit. Donc c'est peut-être simplement pour les échanges.
hein, pour les échanges avec Sarkozy là. Ou tout simplement peut-être avec des décorations, ça je suis pas sûr. Mais au moins ouais, effectivement faire des échanges, ça peut être pas mal. Ça encore une fois on verra une fois que le mec y sera arrivé. Alors il me semble que c'est l'Argosy, hein. Moi je dis Sarkozy, c'est pour déconner bien évidemment. Si vous me connaissez, vous savez que je suis pas le dernier pour la rigolade. Enfin pour les conneries surtout. Hop. Voilà, bon, on a simplement récupéré des peaux chaudes et de la viande. Mais bon, c'est toujours ça de ramasser. Bah là, la vidéo, à mon avis, a fait bien ses 30 minutes. On va regarder vite fait ce qu'on pourra faire la prochaine fois. Histoire de se remémorer un peu tout ça. Donc, il restera deux quêtes dans les 1 étoile. Donc, bah, poisson d'or directement. Et ensuite, ce sera, voilà, les coraux rouges. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure dans la quête où il me fallait les boyaux de monstres. C'est ce qu'on pourra ramasser en fait dans le fond de l'eau, tout simplement, dans le fond de l'eau. Donc bah voilà pour cette première vidéo, je vous ai donné un petit aperçu de ce que je ferai sur Monster Hunter 3 Ultimate. Donc je l'ai dit, hein, du let's play sur le solo et aussi beaucoup de quêtes sur les monstres qui sont faits mais en ligne avec les potes. Et voilà, j'essaierai de répondre au maximum à vos interrogations. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à partager vos Nintendo Network ID, hein, vos pseudo Wii U pour pouvoir rencontrer des joueurs, etc. ou pour pouvoir jouer avec moi tout simplement. Moi je suis dispo, ce jeu je vais le torcher dans tous les sens, ça c'est une certitude, donc vous aurez clairement l'occasion de jouer avec moi si vous le voulez. Et puis donc bah voilà, je vous dis merci d'avoir regardé ce premier épisode. Je vous dis à plus pour la suite. Bye bye.